Audi fête aujourd'hui les 30 ans du Quattro. Nous sommes à Val d'Isère, sur l'un des trois spots de l'école de pilotage, l'Audi Driving Experience, pour découvrir comment se déroule une journée type. Ces stages sont ouverts aux clients Audi, mais sont aussi ouverts aux clients qui ne possèdent pas d'Audi. Donc c'est totalement libre d'accès et qui veut se faire plaisir à conduire un modèle S de notre gamme peut venir chez nous, prendre un stage et s'amuser sur circuit. Bonjour, je me présente, Florent Alverne, responsable du centre Audi Driving Experience à Val d'Isère. Donc là, je vais vous montrer le type de leçon particulière que l'on propose à nos clients. Donc on peut se rendre compte qu'on évolue sur de la neige, mais qu'il y a de la glace vive sous le manteau neigeux. Donc on a un coefficient d'adhérence qui est très 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 bas. Alors le gros intérêt du Quattro, c'est que bien sûr, on va pouvoir motricer facilement. L'exercice qui suit, ça va être la mise en dérive. Ça va provoquer un gros dérapage. Et le but étant de contrôler la trajectoire. Il va falloir contrebraquer très très vite pour ramener la voiture sur la bonne trajectoire. Donc pour cela, je vais déconnecter la SR. Donc une impulsion ici sur le touche ESP. Je me présente dans le virage, je reste braqué, j'accélère très fort. La voiture part en survirage. Très vite, je contrôle, je reviens. Ça y est, la voiture a récupéré sa trajectoire, je peux reprendre l'accélération. Je n'ai juste que relâché l'accélération pour récupérer la trajectoire. Il ne faut surtout pas reprendre l'accélérateur trop vite, de façon à ne pas créer un effet de raquette, comme on dit, c'est-à-dire que la voiture repart très vite dans l'autre sens. Donc j'applique les directives données par l'instructeur, je freine, j'inscris, un petit coup de gaz, et je mets tout droit. Non, c'est assez sympa quand même, hein. C'est vraiment différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Je m'inscris, j'accélère et c'est pourri.